Hop, bonjour tout le monde. Donc voilà, sans souci, c'est pour la saison 12, le Bannis Cascadeur. Donc bon, j'ai déjà enregistré, mais il y a eu un petit bug. Mais c'est pas trop grave parce qu'il n'y a pas. Enfin, il n'y a pas de choses d'urgence, parce que sinon je peux ouvrir des boîtes. Enfin, une boîte, j'ai pas gardé parce que de toute façon. Effectivement, j'avais déjà débloqué le pass enfin, la dernière fois, du coup. Et que des rires à voir. Et vraiment que ça, vu que j'ai des. Vu que aussi il y a des nouveaux gadgets, mais genre le seul que je pouvais avoir c'était celui de Surge. Et j'ai déjà, je l'avais acheté. Parce que vraiment il est fort, intéressant. Et aussi, pourtant, j'avais aussi de nouveaux brawlers. Légendaires, plus Ambre et Meg. Je sais que du coup il me reste que Spike à avoir, j'en veux dire. Et aussi de nouveaux brawlers, je vais mettre dans le pass, voilà. Donc du coup déjà il y a un nouveau mode. Pour moi c'est pareil. Donc, je vais pas montrer le nouveau mode. D'ailleurs un il est très fort dans ce mode. Et donc c'est que j'ai tous les légendaires dans le genre de sa spike. Dans un oubli spike, voilà. En fait, le but c'est de faire de tuer les robots pour récupérer les boulons. Alors tous les robots sont attirés par les gens qui ont rien fait qu'il a frappé. Je crois que les joueurs qui font des dégâts comme ça, genre c'est la virie, comme Ambre ou Corps Black, ça fait que ça. Enfin, du poison, ça, il n'y a pas que Corps Black, c'est le poison. Ça, le robot il est brûlé, il va venir vers moi. C'est que même si je meurs, voilà. Par contre, j'ai pris le boulon. Une fois le but c'est d'attirer les robots vers son corps pour pouvoir récupérer leur boulon après quand ils meurent. Facile, plus facile. Allez, prendre, je récupère. Ah mince, toi aussi en famille. Je sais pas si y a quelqu'un. Ah non, y a personne. Mais et le squeak, mets-toi devant. Ouais. Le mec, j'étais à côté de lui, frère. Il s'est pas brûlé. Ouais. On en a perdu. J'ai mis le mec en image de profil, donc il y avait déjà dans une vidéo de monsieur Darman, vous avez peut-être remarqué. Je fous. Non, j'ai pas encore montré le pass. Donc voilà, donc du coup, palier 0, il y a Karl Mota qui est en vrai plutôt skinné, mais bon, je suis désolé, mais c'est Karl fout du volant, mais à moto quoi. Les garçons ne sont pas. Voilà quoi. Genre c'est trop dans le même thème. En plus lui c'est même pas de feu, car le niveau dans les mieux. Et en plus tout que pour moi j'ai le capitaine Carmen, ça monte, ça c'est encore moins. Le son pour Jeannette. Donc d'ailleurs je sais même pas. Enfin je sais pas pourquoi il écrit Jeannette. Enfin genre Jeannette c'est écrit comme ça en anglais mais en français c'est écrit pas comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont gardé sur son corps. Donc c'est un pouvoir assez particulier. C'est que genre voilà, plus on charge, plus le tir va loin mais est moins large. C'est assez perturbant quand tu veux viser. Genre à part. Parce que ça fait que si tu veux viser, bon, faut attendre. Si tu te chauffes, ça vise juste de près.
Et voilà. Puis, si je prends une distance médiane, ça va être compliqué. Donc, surtout sur le multi, je trouve que c'est intéressant parce que. Enfin, voilà, elle vole. Et ça fait des gars en dessous. Genre, voilà. Non, franchement, je trouve que c'est vraiment trop fort. Regardez ça. Genre, ça fait. Ouais. Genre, je peux t'envoler. En plus, ça va vite, donc. Genre, là, tu peux se barrer à l'autre bout de la map. Et voilà. D'ailleurs, Bonnie, ça sort. Donc, l'autre brawler qui sortira. Sortira, je pense, du coup, dans un mois environ. Genre, à la moitié de la saison, quoi. Genre, il y a deux brawlers, ils mettent. Genre, l'autre fera la moitié de la saison. En fait, ça, c'est le skin de. Janet Valkyrie. Alors, on entend sa voix. Janet, c'est une chanteuse. Alors son attaque de base, bon là c'est un truc un peu calculé, son épée. Genre normalement c'est genre elle chante. Quoi je passe. C'est une chanteuse cascadeuse. Donc j'ai pas trop de temps mais bon si vous voulez. Donc ouais, c'est censé être Valkyrie, donc ouais parce qu'elle chante et bon. Vous savez plus ange. Avec les ailes tout ça. C'est en plus. Bon, ça fait un peu une déesse de l'antiquité. Et donc, je prendrai pas le pass. De toute façon, oui, vu que j'ai pris monsieur Daruma, donc voilà. Parce que bon, déjà, le skin de Carl, non, je le jouerai pas. Après, le skin de Jeannette, elle est assassinée. Jeannette, même si elle est forte, ça va être perturbant, je crois. Déjà que je trouve Ambre, c'est assez perturbant que quand tu vises, elle tire, donc voilà. Ah oui, aussi, je peux parler de Bonnie, donc. Genre, Bonnie, c'est l'autre brûleur un peu comme mec qui a deux formes sauf que elle genre au lieu d'avoir une forme c'est là où elle se transforme après elle redevient normale genre c'est juste elle meurt donc je vais parler d'elle c'est genre du coup elle a un canon qui a une forme dans le canon qui est d'ailleurs vraiment très nul je trouve genre c'est que c'est genre le canon il a beaucoup de vie et par contre il va pas vite il n'y a qu'une seule munition et qui va loin mais qui fait pas tant de dégâts que ça. Ça en fait pas mal, voilà. Oh, c'est vraiment que ça sympa, quoi. Et du coup, le super, ça peut propulser du canon. Et avec ses génies, et comme après la forme hors du canon, elle attaque au corps à corps, c'est vraiment fort. En fait, je trouve que, en fait, quand elle est hors du canon, c'est beaucoup mieux que quand elle est dans le canon. Donc comme dans le canon c'est la forme de base, c'est que même quand elle meurt, elle revient dans le canon après, donc non. Donc comment même si un brûleur juste épique, elle est bon, c'est probablement. Je serais pas que tenu pour elle, je serais probablement pas de vidéo quand j'ai la début de trade, donc moi bon, j'en jouerai probablement un peu, mais... Je trouve que, ouais, voilà quoi. Je vois pas trop l'intérêt de jouer dans la fontaine. C'est genre, en fait, à ce que le super quand elle est pas dans le canon, c'est de revenir dans le canon. Parce que pourquoi tu dois revenir dans le canon? Pourquoi? On gagne. Comme si on disait genre, mec elle est dans le robot, et du coup on disait le super du robot lui donne un gros coup comme ça, c'est qu'elle sort du robot. Genre ouais, mais pourquoi tu voudrais faire ça? C'est un peu ça. À part que le canon il a plus de portée que Bonnie de base, mais... Sinon, s'il y a un nouvel objet du coup dans le Brawl Ball, voilà, c'est cette map là. Enfin, il y en a d'autres, mais bon, c'est là, c'est intéressant parce qu'il y en a plein. J'ai un côté aussi pour montrer le nouveau sort, parce que je l'ai changé. Ça fait qu'en fait, donc du coup, il y a deux gadgets. Sauf que du coup, au lieu d'avoir le gadget de téléportation, du coup, ils ont remplacé par un truc
Donc il n'a pas augmenté son niveau de 2 pendant 10 secondes. Voilà. En fait, ça permet d'aller chercher un premier super. Et bon, c'est que j'en ça sert au début. Ça sert une fois pour avoir ton premier super et après. Après, je vois ça sert beaucoup. Mais bon, c'est pas si mal comme truc. Et du coup, pour compenser le père de la téléportation, je peux se déplacer avec son super maintenant. Après, je ferai quand même le deuxième. C'est que genre, ça fait un bouclier comme Nani, genre qui protège un coup. Ça fait qu'après, quand tu prends le coup, ça fait plein. Ça recharge toutes les munitions. Ouais, c'était au corps à corps, genre. Tu recharges une munition, tu fais le truc. Comme ça, tu prends le coup. Et après, tu remets 3 munitions. Et maintenant, c'est vraiment fort. Tu me regardes. Tu me regardes jouer avec des bots. Voilà. Bon, après. Bon, après, les deux. Les deux catchers sont vraiment pas sûr que ce soit. Même les deux, je suis pas sûr que ce soit un assassin brodé. Genre que ce soit le truc. Et que mon robot, franchement, tu recharges facilement ton. Tu recharges facilement ton super. Et genre, là, en gros, après, t'as pas peur. Tu te fais attaquer comme ça. T'as pas de truc. Même le deuxième gadget, ça sert pas forcément. Ouais. Enfin, c'est un truc. C'est que quand ça remonte, ça envoie. Ah, il récupère avant. Mais j'ai le thème, c'est genre des bumpers. Et quand tu envoies la balle dessus, ça rebondit. Ça rebondit, mais ça rebondit fort, genre comme si tu tires avec ton super. Voilà, comme ça. Voilà. Oh, oh. Oh, le bot qui carry. Non, il a pas carry assez. Non, désolé. Et voilà. Mais aussi, en fait, on peut le mettre. Enfin, on pouvait le mettre dans le map maker. Mais apparemment, c'est un bug. Ce qui me surprend assez d'ailleurs. Parce que je pensais que c'était bon. Montrer. Ouais, il y a même pas un cactus. C'est juste des cactus. Mais en fait, non. Il y a des cactus normaux. Les cactus qui sont des même peurs en fait. Enfin, il y avait. Genre, je croyais que c'était juste un bug le fait que c'est des cactus. Genre, ils avaient oublié de modifier pour cet environnement là. Sauf que ça ressemble à des bumpers du coup, c'était des cactus. Sauf que non, genre, vu qu'ils les ont retirés dans une maintenance. Donc, je sais pas. Donc, du coup, c'est bien que c'est même pas volontaire. Je sais pas comment ils ont. Déjà, comment ils ont. Comment ils ont pu ajouter par accident. Ouais, comment ils ont pu ajouter par accident un truc dans le map maker, je sais pas. Et si, comment ça se fait que. Enfin, pourquoi ils l'ont retiré? Parce que je veux dire, même si, bon, c'était pas voulu, mais en tout cas, je veux dire, en quoi c'est grave, un truc dans le map maker, c'est même mieux. Je sais même pas pourquoi il n'y a pas de tout dans le map maker. Et en tout cas, je vois pas en quoi c'est grave qu'il y ait une fois dans le map maker. Donc, je sais pas pourquoi. Oula! Je sais pas pourquoi ils ont enlevé. Mais... Donc voilà, ça fait qu'après le nouvel outil de surf qu'aime bien parce que en coup si surf genre quand il retombe il fait dégâts il repousse, donc ça fait qu'après il peut faire son déplacement. Donc ça c'est l'avantage. Bon, l'avantage aussi c'est qu'on n'a pas que 3. Ça, tu peux en avoir beaucoup plus que 3, c'est genre unité. Mais l'avantage c'est que genre tu l'as pas au début, il faut d'abord charger ton unité pour faire ça. Enfin mal à TP que. Ça fait que genre voilà. Quant à ça c'est un peu vulnérable. En fait, on se rend compte qu'au début de partie, genre, c'est lent, t'as pas beaucoup de PV, t'as même pas la TP, donc t'es vraiment très vulnérable. Genre, plus qu'avant, tu pouvais être tapé avec la TP. Pas que je sais que la TP peut récupérer un niveau. Voilà. Ah, mais c'est ça! Je pensais que ça passait.
Bon, ça sent la défaite entre les autres. Enfin, non, pas la défaite, mais l'égalité. C'est compliqué là. Ah, ils ont récupéré. Parce que monsieur Villafroche est mal visé, mais celui qui a mal visé est bien visé, ils ont récupéré. Boule. Boule. Ah, voilà, merci. Non, mais les bots sont assez chauds en vrai, en boule boule. Voilà. Et alors, oh, c'est un dernier truc. Comme vous pouvez le voir, j'ai publié la map. Donc, alors, quand c'est quand même intéressant, et qu'en plus, j'ai même pas juste mis les bonnes points n'importe comment, quoi, j'ai fait des trucs assez intéressants pour faire une map bien. Du coup, si, je sais pas si c'est vrai qu'on gagne des gemmes quand la map elle gagne, mais si la map elle gagne, du coup, j'aimerais des gemmes. Bon, si je gagne assez de gemmes pour avoir le pass, je prendrai probablement le pass. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous appréciez la saison, et à une prochaine fois.